On la surnomme l'île continent, pourtant elle n'est que la troisième de l'archipel par sa superficie. Découvrons quoi voir et quoi faire à Grande Canaria. Nous parcourrons le sud, fief des touristes et ce qui va avec. L'intérieur des terres où nous visiterons des villages authentiques comme Arugaz, Terror ou Artenara. Nous ferons une longue escale dans la capitale de Las Palmas à la rencontre de son patrimoine et de sa culture. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour connaître nos coups de cœur de ce séjour à Gran Canaria. Pour une fois, commençons par le sud où, comme à Tenerife, sont concentrés les hébergements touristiques. À Maspalomas, réputé pour ses dunes de sable, c'est particulièrement frappant avec une suite ininterrompue d'hôtels, de buildings, de restaurants et de commerces. Depuis la ville, nous avons voulu rejoindre les fameuses dunes, mais l'accès est barricadé, difficile d'aller fouler le sable, et vu le monde, c'est sans doute préférable. Recherchant des ambiances plus authentiques, nous partons vers le nord pour découvrir les vrais centres d'intérêt de Gran Canaria. Une première visite nous permet de découvrir Agumes, un des villages dont les couleurs des façades apportent un peu de gaieté aux vieilles maisons. L'église néoclassique San Sébastien est en parfait état, mais d'un aspect plutôt austère. La grande place, aménagée en square ombragé, offre un peu de fraîcheur à ceux qui s'y installent. Au carrefour des ruelles surgissent des sculptures en bronze, aussi inattendues que sympathiques. Cette ville est attachante et peu fréquentée, c'est notre premier coup de cœur, une perle à ne pas manquer. Un peu plus loin, nous traversons Telde, qui nous semble sans grand intérêt. Nous remarquons tout de même son église et ses ruelles pavées. Las Palmas de Gran Canaria se dispute avec Santa Cruz de Tenerife, la place de capitale de l'archipel. La ville a de multiples visages, dommage que le centre historique soit masqué par des barres d'immeubles. La voie rapide qui longe sa façade maritime coupe la ville en son centre. Cette mégapole s'étire sur des kilomètres et il y a partout du monde. Dépassant cette impression de ville des années 70-80, nous accédons au cœur de la cité. Là, on retrouve un style plus colonial, les rues sont très animées et les artistes ont l'air d'y trouver l'inspiration. La cathédrale Santa Ana domine le centre. Devant sa façade se trouve une immense place bordée de bâtisses anciennes. Les grandes demeures de style espagnol sont très nombreuses à Las Palmas. La plus connue est sans doute celle occupée par Christophe Colomb lors de ses séjours. C'est l'une des grandes curiosités de la ville. L'intérieur est superbe avec ses balcons en bois qui donnent sur un immense patio. De nos jours, c'est un musée où sont exposées quelques toiles de maître. Le front de mer entoure la ville. Le passage de Las Canteras est la partie la plus populaire avec une foule incessante sur sa promenade comme sur sa plage. À proximité de la marina, ces statues symbolisent la vie des premiers habitants de l'île. Attenant, un charmant square permet de se déconnecter du tumulte de la ville. Sur une petite place, chaque fin de semaine, des événements sont proposés. Nous avons pu ainsi assister à une démonstration de musique et de danse folklorique.
4 semaines, nous avons eu le droit à de la musique américaine. Je vous recommande vivement ce lieu d'animation. Une autre des traditions de la ville a lieu tous les jeudis soirs sur le thème de la gastronomie, c'est la soirée tapas. Des bars et des restaurants rivalisent d'ingéniosité pour proposer un panel de ces bouchées typiquement espagnoles. Une ambiance festive à ne pas manquer. Après cette longue halte à la capitale, nous partons à la découverte des villes de l'intérieur. Première de la liste, Arucas, dont le principal intérêt est sa gigantesque cathédrale, enclavée parmi les demeures anciennes. Un patrimoine qui vaut bien une visite. Figas, à 2400 mètres d'altitude, est une paisible bourgade connue pour son eau minérale. Partant des pieds de l'église, un très beau décor montre les armoiries des 22 municipalités de Gran Canaria. Ces fresques présentent aussi les silhouettes de chacune des îles de l'archipel. Des bancs couverts de mosaïques le long de ces décors permettent une pause ombragée. De Terror, on dit que c'est la capitale religieuse de l'île. Sa basilique, pour partie néoclassique mais aussi baroque, s'élève près de l'endroit où la Vierge serait apparue. Côté façade, une grande place donne sur l'artère principale. On y trouve bon nombre de casas canariennes avec leurs balcons caractéristiques. Dans le village suivant, Santa Brigida, nous découvrons des façades de maisons décorées d'objets. L'occasion pour nous de faire quelques clichés. Dans la montagne, Tereda est un lieu réputé pour ses spécialités culinaires. Nous avons pu, dans une boutique gastronomique, goûter aux spécialités et faire quelques emplettes. Artenara est le village le plus élevé de Gran Canaria. À proximité de sa place, un sentier conduit à un mirador qui offre une vue sur l'immense parc naturel de Tamadaba. Juste à côté se trouvent des maisons troglodytes à l'aménagement reconstitué. C'est très bien fait avec du mobilier typique, des objets et de la lingerie traditionnelle. On pourrait croire ces demeures encore habitées. On vous accueille avec gentillesse, la visite est libre d'accès et l'on donne ce que l'on veut. C'est un autre de nos coups de cœur. À Gran Canaria, les paysages volcaniques déchiquetés alternent avec des régions humides plus propices à la végétation. La région des lacs donne encore un autre style de paysage. Une île à la nature variée qui offre aux visiteurs une palette de couleurs et de lumières toujours différentes. En direction de Morgane, nous découvrons un charmant moulin parfaitement entretenu et entouré d'ustensiles de cuisine géants. Un décor original qui mérite une petite pause. Le port de Morgane est une zone touristique, mais fait remarquable, les constructions récentes ont été conçues dans le respect du style canarien. L'endroit ne manque pas de charme avec ses petits ponts et son centre ancien dans son jus. Un
un village fleuri qui a su préserver son architecture d'origine. Gran Canaria est l'une de ces îles où l'on peut profiter à la fois de la mer et de la montagne, avec de belles possibilités de randonnée. Nous avons été particulièrement séduits par les villages du centre pour leur atmosphère paisible et leur décoration soignée. Ne ratez pas la capitale de Las Palmas, elle fait partie des incontournables d'un séjour ici. Gran Canaria est une destination qui convient à tous les publics, avec au sud les stations balnéaires et au nord des lieux plus calmes pour ceux qui aiment la tranquillité.